Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Premièrement, un véhicule qui a eu un court-circuit. Et aussi, on va voir comment y remédier, tout simplement. Donc, deux choses, parce que ce circuit, ça, le véhicule prenait feu sur la route. Donc, ça aurait pu être pire. Voilà. Donc nous allons voir ça. Alors aujourd'hui nous sommes sur une petite Twingo que voici. Et ben la dame a eu un souci de batterie. Donc, ils ont remplacé la batterie, mais ils ont mis une batterie plus basse. Donc qui fait? Bon, je vais enlever ça. Hein. Qui fait? Ça a touché ici, le plus et le moins. Ils ont fait et là, enfin bon, fait pas là, enfin. Ils se sont caressés, voilà. Plus, moins, ils se sont caressés et ils ne doivent jamais se caresser. C'est interdit. Donc, à ce niveau-là, plus, moins. Et ça a créé un court-circuit. Donc, si vous voyez bien, regardez le câble. Eh bien, ça s'est transformé en cuisson. Cuisson de plastique, cuisson de caoutchouc. Ben, c'est la masse. Il n'y a pas de souci, ça ne représente pas un danger vraiment, mais bon, comme c'est une fille, elle dit souvent, ah oui, je suis stressée, oui, ça me stresse, alors bon, je vais remplacer ça pour elle, on y va. Mais c'est pas parce qu'il y avait un court-circuit que le véhicule prenait feu que ça vous empêche de vous abonner, bien sûr, au contraire. Bon, alors, on commence par débrancher la batterie en faisant attention pour qu'il ne puisse pas se caresser de nouveau. Vaut mieux commencer par là parce que si on fait une fausse manœuvre par là, voilà, et on enlève ça. Ici, c'est du 7. Bon, alors on doit parcourir le chemin d'accès du câble, le câble de la masse. Donc, étoilé 30, étoilé autour, c'est pareil. Et là, vous tirez sur la gauche. Bon, je pense pas, je vais devoir retirer tout le boîtier quand même. Je vais essayer de remplacer ça sans déclipser ça pour gagner un peu du temps et pour voir aussi si c'est possible. Peut-être oui, peut-être non. Du moment que ça pivote, on pourra le faire. Oui, voilà. Ben, ça va le faire. Alors, on prend du 13. Et n'oubliez jamais la règle d'or dans la méca. La mécanique se fait jamais sans de la magie. Regardez, c'est bien cuit quoi. Eh bien, vous faites un peu de magie tout simplement. Et puis voilà, on a un câble comme si il s'était jamais rien passé. Tout simplement. On remet ça en place et puis voilà. Alors, il faut bien le placer parce qu'il y a un système anti-rotation. Voilà. Veillez à ce que le câble ne se retourne pas. Voilà, c'est là qu'il faut faire attention. On remet ça en place. Alors vous avez un téton ici. Il faut le rentrer dans cette encoche-là. Voilà. Ça rentre là. Clac comme ça. Alors ça donne ça. Avant ça, vous faites passer le câble ici. Voilà.
et vous l'enclenchez, voilà. Et là, ça peut pas bouger. Ensuite, vu que la vis était restée dedans, je fais que la pointer et serrage direct. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, le problème se trouve ici. Cette batterie-là, elle est plus basse. Et puis, voilà la taille normale. C'est pas beaucoup. Mais, c'est pas la bonne taille quand même. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que ça puisse créer un court-circuit. Alors, si on prend la petite batterie qu'on a mis pour la dame, et qu'on met à sa place, eh bien, ça donne ça. Ça donne ça. Et on voit bien que ça touche. Au moment où ils l'ont placé, il manquait moins d'un centimètre, quelques millimètres, quoi. Donc 3 millimètres, et puis ça a bougé. Et puis, avec une batterie qui n'est pas bien serrée, ça a touché. Puis regardez. Voilà. La bonne taille, c'est celle-là. Et on voit bien, il y a une différence. Voilà. Là, ça ne risque pas. Bon, eh bien, on va câbler tout ça. Plus sur plus, moins sur moins. Voilà. Bon, ça change un peu, mais bon, là on passe sur du 8, mais c'est pas un souci du moment c'est fait. Eh bien, on va bien fixer sa batterie correctement et à sa place. Voilà, terminé. Et là, on peut voir, on garde un bel espace ici. Voilà. Et là, on met son cache tranquillement. Petit contrôle. Tout est à sa place. Et tout est bien serré. Voilà, terminé. Eh bien, mes amis, il faut toujours s'assurer de la hauteur de la batterie, de son gabarit, parce qu'il y a le gabarit en longueur, en largeur, en hauteur. Il y a tout ça qui change, ouais. Pour chaque véhicule, pour chaque moteur, voilà. Toutes les batteries ne sont pas pareilles. Ben, tout simplement, nous avons vu qu'il y avait un petit millimètre, enfin, pas beaucoup en hauteur. Ça a été suffisant pour créer un court-circuit. Et attention, le véhicule prenait feu, quoi, voilà. Attention, c'est pas que ça prenait feu sur la route, en fait. Ça prenait feu vraiment sur la route. Alors, la batterie, vu que ça montait en pression, il y a eu un court-circuit à l'intérieur de la batterie, qui veut dire les cellules ont explosé, donc il n'y avait plus de courant. Ben voilà, une batterie tout neuve, et puis voilà, quoi, c'est ça le problème. Et c'est pas parce qu'il y a eu ce court-circuit que le véhicule a failli prendre feu que ça nous empêche d'écouter une belle mélodie. Maestro! Mélodie. Les amis, je vous dis à bientôt. Et au prochain numéro. Ouais. Ouais. Donc là, le câble a fallu prendre feu dans la voiture. Ah non, ça a pris feu. Ah ben non, ça prenait feu directement sur la route. Ouais. Ah ben oui, il m'a appelé. Faut toujours faire attention à la taille de la batterie quand on. Ah ben oui, effectivement. C'est pas une panne pour dire voilà. Il ne faut pas négliger sur le prix. Ben, ou non, mais les gens ils aiment acheter des trucs à pas cher, et puis voilà. Des fois je leur dis que bon ben il vous faut telle batterie. Ils vont et puis ils achètent voilà les trucs qui ont un rond là, un rond rouge premier prix. Mais c'est pas comme ça, il faut connaître l'empirage.
Il faut connaître l'ampérage du machin, quoi, voilà. Ben, ça prend un feu, vraiment. Là, t'as changé le câble, là. Ben oui. Et là, elle est tranquille, voilà. Non, parce qu'elle est là, elle me dit, ah oui, ça me stresse, je ne dors pas, machin. Pourtant, je lui ai dit que, voilà, elle a pas besoin, mais bon, c'est la masse. Mais bon, les filles, c'est ça, quoi. On est obligé de la rassurer. Bon, je veux être rassuré, machin. Eh ben, elle a raison aussi. Hein. Tout est bien remonté. Ben oui, tu fais ça. Ben oui, tu fais ça, et puis voilà, tranquille. Hein. Voilà. Oh, une belle petite voiture, ça tient bien, ces voitures-là. Voilà, ça tient bien. Bon, mec. Ah ben, merci pour tes... Ah ouais, mais... Allez, mec, attention. Bon, oui, mais dis-moi. Tu es un abonné, tu n'as pas été invité, tu es venu, et puis... Tu es le deuxième abonné qui vient me voir, là, maintenant. Ouais. Mm-hmm. Tu es un abonné, et puis tu as vu comment j'ai fait une vidéo en direct, là. J'ai réussi à te trouver. Quoi ? J'ai réussi à te trouver. Ah, ben oui, il y en a beaucoup qui me disent, ah oui, demain tes contacts, où est-ce que je peux te trouver, machin. Je leur dis, moi-même, je leur dis, regarde, moi-même, je donne des contacts à personne, et pourtant, il y a du monde qui m'appelle de par le monde, Allemagne, toutes sortes d'endroits, donc, et je refuse jamais personne, quoi. Ils peuvent toujours m'appeler, je réponds toujours, on m'appelle de l'Algérie, de Maroc, de Mali, du Mali. Bon mec, je vais y aller. J'ai pas encore mangé. Bon, je vais nettoyer ça là. Bon, ben ok, elle va venir récupérer son véhicule et puis voilà, terminé. Je vais la garer là. Ouais, je vais la garer là-bas. Ouais.